Il était une fois un pêcheur. Arrivant au bord de la mer, il tend sa canne à pêche et récupère un poisson. Pourquoi ? Il ramène ce poisson, c'est une peluche. Une peluche, un poisson. Il tend sa canne à pêche et trouve à ce moment-là un petit ourson. Intriguée, une petite fille vient à ses côtés et lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?»« Ça se voit, je pêche. »« Mais tu as pêché un poisson, tu as pêché un ours, pourquoi ?»« Tu vois, la mer, on peut y trouver beaucoup de poissons et dans la vie on peut trouver beaucoup d'animaux. »« J'aimerais bien te parler de biodiversité. » Car vois-tu, je ne suis pas que pêcheur, je suis aussi chercheur. Oui, alors, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire dans tout ça, moi, la petite ? Ben déjà, tu pourrais me dire ce que tu as vécu. Où habites-tu ? Ben, moi, je suis là en vacances, mais j'habite une ville qui s'appelle Guéret. Ah bon ? Dis-moi. Et qu'est-ce que tu y fais ? Ben, je vais à l'école. Et mon papa, il est patron d'une entreprise de pétrole. Ah bon? Alors, dis-moi en plus. Ben, en ce moment, il n'arrête pas de dire que la ville va mourir parce que les gens s'enfuient, etc. Et qu'il travaille avec d'autres personnes pour améliorer la situation dans cette ville. Et il travaille aussi avec des chercheurs qui viennent. Lui, son intérêt était très altruiste. C'est ce qu'il me disait. Il disait, ma fille, je suis altruiste. J'ai envie d'améliorer la situation. Bon. Ce faisant, il constate que l'intérêt des partis, il y avait des chercheurs, il y avait des gens qui s'appellent des sociologues. J'ai pas tout compris. Des politiques, c'est vrai. Il y avait des élus, des gens qui étaient très importants. Et comment ça s'est passé? Ben, ils n'étaient pas toujours d'accord sur ce qu'il fallait faire. Et comment ça s'est terminé? Ben, je ne sais pas trop. Mais tu sais, les projets, dit le pêcheur, évoluent souvent. Tu vois, des fois, je me souviens d'un projet où on a réuni les citoyens pour parler de la mer, de l'écosystème de la mer. Et je me suis aperçu que si au début les citoyens participaient, et ils ont même sollicité les politiques dont tu parlais tout à l'heure, ils les ont sollicités ces politiques qui n'ont rien fait de ce que pensaient les gens. Mais alors ça veut dire que notre avis ne compte jamais? Ben si, il est important. Mais il faut le prendre en compte et le construire. Ça ne se fait pas tout seul de travailler ensemble, tu vois. Ce projet a connu une autre étape où on s'est dit que pour faciliter la vie aux gens, il fallait faire une exposition. Et finalement, les gens vinrent à cette exposition sur la mer, mais ne contribuaient plus avec les chercheurs. Et finalement, l'esprit même du projet à l'initial a quelque part disparu. Alors tu vois, ma petite, important, c'est toujours de garder à l'esprit que ton avis est important et qu'il peut compter. Voilà. Je bafouille un peu.